Et bonjour à toutes et à toutes, ici on va se retrouver en live, donc on va être sur un let's play sur Diablo Reaper of Soul. Donc ce sera Diablo 3 Reaper of Soul. On fera un petit nécro vu que c'est la dernière classe qui est sortie, c'est la seule que je n'ai jamais jouée et que je ne connais pas. Et on va donner donc d'abord les informations. Alors les informations, on va d'abord parler un petit peu d'où ça vient. Ça vient de Blizzard, donc Blizzard Entertainment qui a également fait d'autres jeux qui sont assez connus comme World of Warcraft, comme les StarCraft. C'est quand même la base dans le MMORPG, le RTS. Et ils ont également fait Diablo, donc à l'époque, qui est un hack and slash. Hack and slash, c'est quoi? C'est grosso modo, on crée un perso, on va monter ses sorts un petit peu à la manière d'un RPG. Donc on va avoir des sorts, de l'équipement, des runes, des trucs comme ça. On va devoir équiper sur notre personnage et devoir faire ça de manière. Roleplay quoi, en fait, en théorie. Bon, ici on va pas être hyper roleplay, hein, on va un peu aller dans le tas, surtout que Wolf il va faire un barbare, donc voilà. Parce qu'on va être avec Wolf, on va faire ça en duo. Et donc voilà. Salut. Alors, du coup, ici Diablo 3, il est sorti le 15 mai 2012. Donc c'est un joueur multijoueur, on peut également jouer en ligne. Il y a également des clans, etc. maintenant. Le projet avait démarré en 2001, donc il a quand même mis pas mal de temps à sortir. Parce qu'en fait, ils ont commencé le projet apparemment après la sortie de Diablo 2. Diablo 3 a été beaucoup rejeté par les fans parce que c'était pas le digne descendant de Diablo 2, Lord of Destruction. L'héritier, entre guillemets, le fils caché de Diablo 2, ce serait plus Path of Exile, qui maintenant a été traduit en français. Mais c'est pas grave, on va aller sur Diablo 3. Donc c'est comme je disais, c'est un hack and slash. Il est sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 aussi à l'époque, Xbox 360, Microsoft Windows, il est même sur Mac. Donc voilà. Salut Gwen, salut Quentin, salut Marie. Donc ensuite, il y a eu une extension, donc en plus de Diablo 3, c'était Reaper of Soul, qui lui par contre est sorti en 2014, donc 2 ans après la sortie du premier. Enfin du premier, qui est sorti juste après Diablo 3 en fait. Il y a quand même fallu 2 ans parce que les fans ont quand même vachement gueulé parce qu'il manquait énormément de choses dans Diablo. Donc ils ont ajouté Reaper of Soul en nous faisant bien casquer une histoire de 40 euros à l'époque, enfin 20-30 euros. Et ça a ajouté un petit peu de campagne, ça a ajouté une classe, c'était le croisé de mémoire. C'est bien ça il me semble. Ouais. Et donc voilà. Ouais, c'est ça. Et après, comme les gens continuent à gueuler parce qu'il n'y avait toujours pas le Nécro de Diablo 2 dans le Diablo 3, parce que ça a été remplacé par un pseudo féticheur dégueulasse, et du coup, ils ont mis 3 ans, donc de 2014 à la sortie de Reaper of Soul, ils ont sorti ça le 27 juin 2017, c'est le Nécro qui nous font casquer bien sûr 15 euros. Donc voilà. Ici le Nécro est la seule classe que je n'ai jamais jouée, je ne le connais pas du tout. Je sais comment ça se joue par rapport aux deux, mais on va voir que ça a des différences. Donc, le jeu, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Le jeu n'est pas dégueulasse du tout. Franchement, les graphismes du 3 sont pas rebutants du tout. Ils sont assez beaux, assez soft, assez lissés. Donc, on va voir ça. Alors, on va créer donc un héros saisonnier. Je vais l'appeler Cozen parce que Cozen God, il veut pas parce qu'il dit que God, c'est entre guillemets une obscénité. Hein? Le God, tout ça. Non, mais je vous jure, hein, regardez. Je vais mettre Cozen God, créer le héros. Voilà. Ce mot contient des mots inappropriés ou non autorisés. Et quand on va chercher le code sur Blizzard, c'est en fait des mots qui parlent de sexuel. Et j'ai essayé toutes les combinaisons possibles et c'est le God qui veut pas. Donc on va s'appeler Cozen. On va faire un nécro de type homme. Alors, le nécro, comment ça fonctionne? Je vais expliquer un petit peu les classes en gros. Il y a le barbare, c'est le gros bourré qui va aller dedans et qui va tanker un petit peu. Il y a le croisé qui va être un peu le pala du jeu, si on veut, le palouf, qui va faire du heal, de la protection, etc. Le chasseur de démons qui va invoquer des balistes, qui va également. Attendez, je vais vous montrer quand même les bazars. Voilà. En femme. Il y a le croisé en femme et en homme. Pour la femme, de mémoire, c'était Johanna et le mec, je sais plus comment il s'appelle. Il y a le DH, donc en homme, en femme, ça c'était mon perso principal sur Diablo 3. Il y a le Monial, donc le moine, en femme, en homme, perso j'ai jamais trop adhéré au concept, mais bon voilà. Le Féticheur qui était mon deuxième principal, faute de Nécro sur Diablo 3, il lève quand même, il fait des poisons, etc. Donc en homme, en femme. Et forcément le sorcier et sorcière qui avait utilisé le feu, la glace, les arcanes. Donc nous on va partir sur un Nécro qu'on ne connaît pas du tout, et c'est parti, hop, crée le héros. Un nouveau départ, participer à une saison vous permet d'obtenir des récompenses exclusives. Les héros saisonniers commencent au niveau 1 et ne peuvent jouer qu'avec d'autres héros saisonniers. Forcément, on est avec Wolf, donc ça passe. Vous ne pourrez pas utiliser d'objets non saisonniers, vous commencez le jeu sans or et vous devrez reformer vos artisans. Sérieux? Donc tout ce que j'ai dans mes coffres, c'est paumé. Yep, saison c'est vraiment tryhard sans rien du tout. Ah ouais, saison quoi. Attends un peu, j'ai envie de voir un truc. Est-ce que ça s'affiche? Non, c'est en fait juste derrière ma cam dans le jeu, on voit en fait l'overlay de Wolf. C'est quoi pour désactiver cet overlay à 2 balles? C'est. De quoi?
Pour l'overlay Discord sur Diablo. C'est shift quoi déjà? Je sais pas du tout parce que je l'ai pas du tout moi. Ouais, c'est toutes les combinaisons possibles, hein? Non, ok. Bon, on va accepter, hein, on n'a pas vraiment le choix. Donc, ici, je vais couper la cam parce qu'on va voir la cinématique qui va expliquer le lore, enfin, un petit peu le lore du moins, du Nécro. Hop, hop. On va accepter l'invitation de Wolf. Ouah, mes oreilles, please. Et tu lances. Ouais, c'est toi qui as fait le groupe, donc c'est toi qui l'as lancé. Pourquoi ça a passé? T'as dû laisser activer l'option de passer automatiquement les cinématiques. Non, non, moi je l'ai. Alors moi il me l'a passé. What the fuck? Oh, c'est sérieux ça. Non, j'ai pas coché de passer automatiquement. Oh, c'est sérieux quoi. Quitter la partie, hein. Apparemment, choix. Sur les cinématiques, on peut pas les revoir en cours de partie. Par contre, cet overlay, franchement, ça me casse les couilles. Deux petites secondes, je vais désactiver l'overlay Discord. Comment est-ce qu'on fait ça déjà? Hop. Overlay. Désactiver l'overlay. Voilà, ça va faire du bien à ça. Donc, je dégage ça et on va être parti. Hop. Je sais pas si je peux passer par ici. Cinématique. Le premier signe, Tristram, me voilà. C'est laquelle des vidéos? Tristram, me voilà avec le nécromancien normalement. Hop, un nécro, homme. Ok. Bon, tu peux lancer. Donc, salut OCB, ça va, ça part, tout ça bien? Mais nos ennemis ont gagné en force. Attends, parce qu'il me semble de mémoire qu'on a un sort à faire de base. Pouah, je sais même plus comment on joue, c'est sérieux. J'approche de l'étoile tombée du ciel et des morts qu'elle a réveillés. Dans le but d'aider cette région. Où est l'étoile tombée du ciel? Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé la partie partout. T'as pas activé ton paragon, moi. Non, non, vu qu'on est en saison, vous pouvez réinitialiser, j'ai pas de paragon, rien. Et ça fait mal, Nécro. Se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. Ok. L'explosion de cadavre, c'est pire. Faut que je remette la cam. Et. Hop. Et que je déplace tout ça. Donc. Où est-ce que je peux foutre la cam pour pas qu'elle déroche? Là, je vais avoir les quêtes. Là, en bas, là, je vais avoir le chat. Là, je vais avoir mes compagnons. Déjà, on va réduire la taille. Pep. Pep. Alors, ensuite, où est-ce que je vais la foutre? Je vais la foutre. Oh, à côté de la map, là. Allez, admettons. En attendant, ça fera l'affaire. Salut Mator.
foi peut encore nous sauver. La mort approche peut-être à grands pas, mais je ferai tout pour alléger vos souffrances. Alors ici, forcément, il y a les secrets qu'on peut débloquer par la suite. Pour le moment, je peux pas. Allez, hop, on rentre dedans. Attends, j'ai un point à mettre. Donc, boîte obscure, lance d'os. Donc la lance d'os, vous lancez un projectile acéré qui affiche un montant de dégâts physiques égal à 500% des dégâts de l'arme à tout ennemi qui le transperce. En fait, c'est ce qu'on avait dans le 2, ça. Je sais plus, je crois. Si, je confirme. C'était un endroit si agréable avant. Ma famille. Si tu veux, sur la table juste derrière moi, il y a un bouquin et tu vois, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est horrible. Les proches que nous avons enterrés et pleurés reviennent pour nous tuer. Bah, je vais pas rush le jeu, les gens, hein, c'est pas mon genre. Ici, c'est... Pendant de nombreuses années. Les villageois sont restés trop craintifs pour s'installer dans les ruines de la ville maudite Tristram. Mais, au fil du temps, les aventuriers sont arrivés, toujours plus nombreux, pour piller les ruines de la cathédrale. Leurs affaires étaient si florissantes que la nouvelle Tristram s'est développée pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, le flot des visiteurs se tarit. Et la ville est principalement habitée par des fermiers et des artisans. Voilà, comme je disais ici, je vais quand même suivre un petit peu le lore quand même, pour ceux qui connaissent pas le jeu, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui doivent pas connaître Diablo. Vous venez nous aider ? Les gens racontent n'importe quoi. Hop. Vous êtes Léa. Est-ce bien vous qui avez survécu à la chute de l'étoile ? C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention ! Les blessés se transforment ! C'est pas bon pour les affaires. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Oui, c'est la raison de ma présence. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. J'évite de parler en même temps que les personnages, hein, sinon je vais pas en sortir. Hop, encore un bouquet. La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi, mais si personne ne vient vite nous aider... Effectivement, vous êtes un peu de la merde. Les cadavres, vous les avez à partir de combien ? Niveau 4, ok. T'as mis quoi, un expert ? Ouais. Pour aider le maire à réparer son chariot. Mon frère est mort pour défendre la ville, pendant que ce dégonflé essayait de s'enfuir. Des héros se battent en duel dans une arène pas loin d'ici. Ça vous intéresse ? Oh, et je ne vous ai rien dit, hein ? Ça, c'est pour avoir accès au PVP, parce que forcément, il y a du PVP dans le jeu. J'ai peur d'abîmer votre armure ou vos armes ? Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. En fait, personne ne meurt jamais. C'est vraiment décevant. Tu vois, au pire, je suis une écran, donc je ressuscite. Quand faut y aller, faut y aller. Je suis où là ? What ? Ça m'a mis dans un niveau. Barre de merde. C'est quoi cette portée que t'as là? C'est pas un barbare que t'as, c'est un archer. J'ai besoin d'aide. C'est écrasé. Non. Mais d'où tu récupères ta vie à ce point-là, toi ? Ah,
Ah, c'est cité en ville. J'avais promis à Marco de... C'est n'importe quoi. Bon, du coup, on a fait l'histoire. Il y a la maison de Cain qui est ouverte maintenant. Ouais, donc on va aller. On va chercher le livre de Cain. Ah non, il est pas encore. Oui, quoi, c'est pas mal les designs. Hein. Hop. Nous arrivons enfin à la vieille cathédrale de Tristram. C'est là que Diablo, seigneur de la terreur, corrompit l'humanité pour la première fois. C'est là que je pourrai enfin trouver les réponses que je cherchais. Léa s'inquiète pour ma sécurité, mais je crois pouvoir mettre au jour ici des informations indispensables à la victoire sur les derniers seigneurs des enfers. Oui, parce que le but du jeu, en fait, c'est quand même de buter Diablo, faut se le dire, pour la xème fois, et dans Reaper of Souls, Maltael. Comment puis-je aider à combattre les morts? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltine et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Vos guerriers seront vengés. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. S'ils s'en prennent à la barricade! C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Attends un peu. Option. Raccourci. Ah, je trouve pas. Ah, si, voilà. Non. Ça, on s'en fout un peu. Ah, appliquer, accepter. Ce sera un peu plus simple pour les sorts. Hein. Savoir. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu ces horreurs se traîner hors des bois embrumés. Nos chers disparus, morts et enterrés depuis bien longtemps, se relevaient de leur tombe et se lançaient à l'assaut des vivants. Mais ces cadavres, revenus de la mort, n'étaient qu'un premier signe. C'est moi, y a pas d'item. Par contre, tu peux augmenter un petit peu le niveau, peut-être, non? Comme tu veux. Ouais, parce que là, c'est un peu trop simple. Bah, faut quitter la partie et. Non, on peut faire de l'escape normalement. Non, réduire, tu peux en cours de partie, mais augmenter, tu peux pas. Et on est quoi là, en expert? Ouais, expert. Et au-dessus, c'est quoi, c'est tourment? Calvaire et ensuite, c'est tourment. Bon, on va rester en expert et on verra bien. Je
Mon très cher lecteur, laissez-moi donc me présenter. Abdelhazir, aventurier érudit et chercheur. Au fil de mes édifiants billets, je partage avec vous ma connaissance de ce vaste monde et des incroyables créatures qui l'habitent, bien souvent au prix d'un grave danger. Lors d'un récent séjour au Kanduras, par exemple, ma tante a été mise à sac par une troupe de rats épiques sanguinaires. J'ai pu les repousser à l'aide d'une chaussure, mais elles moins intrépides que moi auraient connu le sort funèbre. De talent. On va finir le petit pack qu'il y a là. Donc, j'ai l'explosion macabre maintenant. Et là, on a la faux finesse. Il faut donner un large coup à l'aide du faux l'avocé qui affiche un montant de 50% des dégâts de l'arme. Ah, je préfère quand même les poêles osseuses. Ah ouais! Ah bah c'est l'explosion! Ça fait énormément de dégâts! Ça fait énormément de dégâts le coup de cadavre! Pam 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 pam! Oh. Un adversaire intéressant! Alors ici on peut avoir en fait des packs comme ça qui sont un petit peu aléatoires, qui vont être des packs élites qu'on appelle, qui vont être avec des pouvoirs un peu spéciaux. Par contre attends, il y en a un à droite. Ah, il y a un petit donjon là. Ah, j'avais pas vu ta vie. J'ai besoin d'essence. En vrai, c'est sur ces packs là qu'on va galérer. Hein. Bon, au début, parce qu'on a pas de stuff, mais après ça va aller. J'ai même pas ce genre de stuff là. Attends un peu. Pas bon, et ça, ça me donne plus de dégâts. Hop, j'équipe ça.
Alors pour ceux qui se souviennent de Diablo 2, ça va être la faille de mémoire, c'est celle-là, non? Ouais, celle-là. Celle-là, en fait, permettra d'aller dans le monde des poneys. C'est normal qu'on ait un expert sec là. Ah bah non. C'est ton ah bah niveau. Non. C'est niveau. T'es niveau 5 avec ton personnage, donc c'est le 5 à côté. Hop. La vieille Tristram. Un petit peu de gold. Diablo en personne est passé par ici. Ouh, le sale groupe d'élite. Trace ce mur. Le donjon. Je regarde si j'ai rien mieux à l'équiper en ça. Ça. Alors, vu que Wolf il est au cac, moi je vais m'orienter vraiment à distance. En bas d'abord, peut-être, non? Ok. Trop tard, tu l'as fait proc, je crois. Wouah, putain, avec mon nouveau stuff, ça fait mal. Hein. Bon, ouais, admettons. Il y avait un bouquet par ici. Ta tombe est prête. Ou c'est moi qui me fais une face? Non, je sais plus. Je crois que à quelque part dans la zone, tu peux dropper la jambe de Wurt. Ah, les poneys, c'est la vie. T'as un truc avec le barbare pour récupérer l'aggro? Ou y'a que le croisé qu'à ça? Ouais, je sais plus. Merci pour votre aide, mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Parle pas à Léa d'abord. Ne pas renoncer. Je vais l'aider à le trouver. Le pouvoir se renforce. Parce qu'à un moment, je sais bien qu'on doit aller chercher un bouquet dans la baraque de Kane avant qu'elle soit verrouillée en fait. Ouais, c'est plus tard vers la fin de l'acte. Mais je sais qu'il faut souvent aller dans la baraque de Léa parce qu'elle change les livres. Elle. Ah, à chaque fois il faut passer par les baraques pour avoir ça. Ouais, le plus chiant c'est Léa parce qu'elle change très vite les livres en fait. En une deux, ou deux quêtes, elle change de 2-3 livres. Ah non, c'est bon là. Elle a pas. Peut-être qu'en prenant la quête, en l'activant son dialogue, peut-être qu'elle va faire propre livre. Ouais. Venez. Allons chercher votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillé avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Bon, je vais me dire s'il y a un bouquin. Ouais, il y est. Ok.
Hop. Un miracle est arrivé. Comme dans les histoires d'oncle Descartes, un héros est apparu pour nous sauver. Dans mon cœur, je sais que mon oncle est encore vivant. Je prie pour que notre héros puisse le ramener à la maison. Oh, c'est dégueulasse, on me fait choisir entre la lance d'os ou le mage squelette. Le mage squelette, il est bien, mais une fois que t'as un bon build avec plein de squelettes ailleurs. Mais si tu veux foutre des gros trucs dans les gros packs, le mage squelette est pas mal, il fait des bons dégâts. Ouais, mais c'est pas, ça reste quand même pas comme avant, hein. Parce qu'avant, tu pouvais avoir ton armée, en fait. Non, mais ça, c'est un autre sort que t'auras plus tard, tu feras pop tout seul plein de squelettes autour de toi, en fait. Une, deux, trois, quatre, cinq, six secondes. Ok. Comme ça, je me concentre sur les poètes qui vont étourdir les ennemis avec ma rune et le squelette DPSera gratuitement au niveau de la mana. Alors, on va parler à Léa. Ah bah non, elle est avec nous, merde. Attends, j'ai le capitaine qui doit me donner des trucs. On va pas voir que c'est Alif chez Kane. On est vite parti pour mettre fin à tout ça. Au début, on pensait avoir le dessus. De quoi ? Mais il en on peut voir que c'est Alif chez Kane. On a été submergé. Le capitaine Daltine est non, chez Kane, il fait pas de load live tant qu'il est pas là. Ils m'ont protégé. Moi, je ne suis pas un soldat. Je suis. Enfin, j'étais un fermier. Je n'aurais jamais dû être là-bas avec eux. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en tirer. Aucun des autres n'en est revenu. Et maintenant, je ne sais pas trop comment non plus je me retrouve à devoir diriger la milice. Je me suis porté volontaire parce que ça semblait être la bonne chose à faire. Mais je n'ai pas l'étoffe d'un meneur d'hommes. Exact. Mais vous avez tenu la ville à bout de bras jusqu'ici. Facile à dire pour vous. Vous, vous êtes né pour affronter des monstres comme les morts vivants. Ah, et les diriger aussi. Je ne suis qu'un fermier. Bon, du coup, on va quand même aller vendre le stuff, hein. Vu qu'on a zéro gueule sur ce compte-ci. C'est bien ma veine. C'est impossible. De la ville qui ne renaissent pas d'entre les morts. Racheter ? Et moi je veux vendre. Comment est-ce qu'on vend déjà dans ce jeu ? Tu cliques droit sur tes objets à toi. C'est impossible. Ah il veut pas. Ah bah non c'est pas lui qui vend. Bah si, marchand. Comme vous le voyez, les affaires sont moribondes. Faut faire clic droit mais pas dans l'onglet racheter. Leurs ennuis dans l'alcool. Bah je suis dans l'objet. Et en fait il y a réparer et racheter les objets. On peut pas encore en acheter donc on peut pas en vendre. Ah non, parce que maintenant l'aubergiste il vend plus rien, avant il vendait les potions, maintenant c'est inutile parce que t'en as une permanente. C'est pas grave, je vais... What ? D'où j'ai une potion permanente ? Il y a le marchand d'armes en haut là. Ouais, c'est ce que j'allais faire, c'était là ou l'autre. Je vous ai déjà dégoté quelques trucs intéressants sur ma dernière excavation. Jetez donc un œil. What? Ouah, je paume dans les menus. Hop, ça fera un peu plus de dégâts. Au revoir, petite dague de merde. Et il est écrit, le ciel se... Comme le berger veille sur son troupeau. Et on est reparti. Attendez, je vais ouvrir le portail. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui l'a élevée. On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Ah ouais, ça fait mal le mage en fait. Ah, il dépèse ça, ouais, il fait très mal, et en plus, plus tard, il y a un bull qui fait en sorte que plus t'en as, plus ça fait de dégâts avec tes sbires et tout. Regardez, un accès caché. Suivez-moi. Magie maléfique plane ici. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Ah, j'ai pris gel, mais... Oh, elle a pris tellement cher. Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Ouais, ta mère, on va la défoncer. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je m'en charge. J'avoue. Vous feriez mieux de rester ici et d'apprendre ce que vous pouvez.
Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai partie avant qu'elle n'ait tout englouti. Mon oncle a longtemps évité de revenir ici. Il y a trop de fantômes qui l'attendaient. C'est ici que Diablo avait rendu fou le vieux roi Léoric et commencé à terroriser la population. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé ici, mais manifestement, ça a été épouvantable. Presque tous les survivants sont devenus fous. Comment votre mère est-elle morte ? Eh bien, c'est pas très clair. Mais je sais qu'Adria était obsédée par l'étude des arcanes. Elle savait qu'elle ne pourrait pas élever un... C'est moi qui l'ai défoncé dans le 2, mais bon... Que Descartes pense que la folie et les horreurs qu'elle a vécues ont fini par la rattraper. De mémoire, Adria, c'est pas la le premier boss qu'on défonce dans le 2. Dans le 2 ? Non, non, Adria, c'est... Elle est... Ah, je sais plus. Je sais plus si on l'a bas dans le 2, mais... Je sais qu'on la revoit dans le 3. Exploser à la fin de créature. Quoi, il y a tout cas ah, autant pour moi. Défoncer. Ah non, il y a rien à droite peut-être. Descends pas tout de suite. Je vais faire la coupure comme ça avant de démarrer. Non. Ok, donc on va rentrer là-dedans et avant de descendre, on va descendre tout ça. Voilà, on est donc arrivé ici au premier niveau de la cathédrale. Donc ici on va arrêter tout doucement parce que ça fait 40 minutes et on va reprendre d'ici 5 petites minutes. Donc n'hésitez pas à revenir dans 5 minutes pour la suite. Voilà, allez, à tout de suite tout le monde et hop là.